pour que le bon plan anti matigima et de consacrer le septième jour au Seigneur. Et ce jour-là, tu te réunis devant ton Seigneur. Où que tu sois. Même si tu es à la maison seule. Tu viens en présence du Seigneur. Dans ta maison. De lire ta Bible. Ou bien de louer. Toute la semaine. Le Seigneur te demande un seul jour. Mais ce jour-là aussi. Les enfants de Dieu sont tous pressés et de sortir pour aller résoudre leurs problèmes. Ça c'est vraiment toute la semaine. Cette chose que tu consacres à ce jour, ce jour aussi. Avant de finir le message, ils sont tous à rendez-vous à côté du vendeur de bien de porte. Ou bien chez le vendeur de vêtements. Il est pareil. C'est ça un problème. Semaine consacrée un seul jour au Seigneur, ça c'est compliqué. Et puis ce n'est même pas toute la journée entière, mais tu vas jusqu'à 14h au midi. Et ce temps aussi est trop. Où est ton amour? Matikita fait. Envers le Seigneur. Ce n'est pas pour t'accuser. Mais aimons le Seigneur. Un jour est très peu pour le Seigneur. Chaque jour, nous devons venir devant le Seigneur. De lire sa parole. De le prier. De le louer. Partout que tu sois chaque jour. Tu dois donner ta journée au Seigneur. Ce matin, nous allons avancer dans la parole de Dieu. Voici le thème de ce matin. Voilà, car Christ en fait, ta maman femme, ou bien car christianisme femme. De comprendre le christianisme ou de marcher après le Seigneur. Car Christ en fait, ta maman femme, comprendre le christianisme. Voilà, comprendre le christianisme. C'est ça, car femme, y'a. De comprendre le christianisme. Religion chrétienne. Je ne parle pas de la religion chrétienne. Mais christianisme. Je parle du christianisme. Parce que religion chrétienne et religion à dîner. Il y a la religion chrétienne. On dit christianisme est créé. C'est très différent de marcher avec le Seigneur le christianisme. Et off là là. Parti du livre là. Et le christianisme de là-bas, ou bien la religion chrétienne de là. Et dans ces deux groupes, tu fais partie de quel groupe? Dans le christianisme ou dans la religion? Tu fais partie de quel groupe? Chrétien, ou bien chrétien, dîner. Le christianisme ou la religion chrétienne? Ces deux choses sont différentes. Il y a le christianisme. Il y a la marche après le Seigneur. Il y a la religion chrétienne. Ces deux choses sont différentes. Et les avantages qu'on tire de ces deux choses sont différents. La femme il veut sur les fleurs là la boutique les profits qu'on peut tirer de ces deux choses sont différents. La religion chrétienne et la marche avec le Seigneur. Le christianisme. D'une autre manière le christianisme. Une catégorie fraye. Ça c'est deux choses. Sont différentes. La femme il veut voir là au fenêtre et les bénéfices ce qu'on peut en profiter sont différents. Religion et chumé. Qu'est-ce que c'est que la religion? Ah, quelle religion si fort. Quelle que soit la religion, la religion chrétienne, quoi qu'il en soit, ça c'est des dogmes que les gens adorent et ils prennent part. C'est des dogmes
Et cet homme ne peut venir de leur main. Ou bien ça peut venir d'un Dieu. Accomplir des commandements, des ordonnances qui viennent d'une personne, d'un prophète ou d'un seul homme. Et d'appliquer ces commandements, ces ordonnances. Ça, c'est la religion. Et là, ça peut venir à la religion chrétienne. Et toutes les religions sont pareilles. Mais on christianisme te cela est différent du christianisme. On fait tellement te et c'est différent de marcher avec le christianisme. Est qu'est-ce que c'est que le christianisme? Ça, c'est Christ lui-même. Quand tu bosses en gros là, il est descendu du ciel. Quand tu dis, descendu du ciel. Alors, ma défaut, le colo. La religion, c'est de mettre en pratique les commandements des normes ou des commandements qui viennent d'un Dieu. Chérie, demain, si tu veux, tu vas lever ton vêtement. Tu vas au marché. Tu vas dire aux gens du marché que Dieu t'a parlé. Le Dieu qui l'est, on ne sait pas, mais Dieu t'a parlé. Si tu veux que Dieu te parle, et quand tu dis que Dieu t'a parlé, les gens vont penser à celui qui a créé le ciel et la terre, alors que ce n'est pas ça du tout. Tu vas aller, tu dis, Dieu m'a dit que tu enlèves ton vêtement. Que toute personne qui croit en lui, Dieu, lui aussi, il enlève son vêtement. Que si tu n'enlèves pas ton vêtement, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu ne marches pas nu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Que parce que quand Dieu crée un homme et Eva, il ne portait pas de vêtements, il était chéri. Demain, si tu vas au marché, et tu vas trouver quelqu'un qui va te suivre. Et quand vous multipliez, vous devenez nombreux, toi tu viens de commencer une religion. Ça c'est une religion. Et cette religion aussi a ses lois. Et vous allez placer des principes et vous allez marcher par ces principes. Ça c'est la religion. Alors cela ne vient pas du Créateur du ciel et de la terre lui-même. Et c'est le genre de religion qui ont rempli le monde. La religion ne permet pas que l'homme connaisse Dieu lui-même. La religion ne te permet pas et d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Regardez bien. Toute personne qui est venue avec une religion, quel que soit le prophète, nous avons tous. Ils ont eu des actes, des œuvres. Et ces œuvres, comme nous connaissons Dieu, nous voyons Dieu, ces œuvres ne sont pas conformes à Dieu. Et toutes les personnes qui sont venues avec la religion, ils ont eu à accomplir des œuvres qui ratent. Vraiment. Parce que ils ont tous péché. Et Dieu pourtant n'est pas pécheur. Il n'a jamais péché un seul jour. Donc, il y a d'autres qui ont fait beaucoup de choses, ils ont dit beaucoup de choses. Et quand tu regardes Dieu, tu vas voir que ces choses sont très loin de Dieu. Mais qui est venu? Qui ressemble à Dieu? Même si tu n'as pas vu de tes yeux. Par ses œuvres. Ce que tu as entendu. Même dans d'autres livres. Qui est venu?
Allah bolé nous. Qui ressemble à Dieu. Allah moko Allah amanga ke toro ko fey parce que aye Allah be chobo choba beti. Même si nous l'appelons Dieu, cela ne doit pas être étonnant parce que tel est Dieu tel il est. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Luna. Pourquoi? Donne la galère du monde. Qui a jamais entendu que Dieu a péché? Avez-vous jamais entendu que Dieu a péché? Quel livre existe sur la terre qui témoigne que Jésus-Christ a jamais commis un péché? Pas seulement la Bible, il n'y a aucun autre livre dans ce monde pour prouver que Jésus a jamais péché. Même si il te déplaît, accepte qu'il ressemble à Dieu, que lui-même il est Dieu. Et c'est lui qui peut te révéler. Et c'est lui qui peut t'aider. Parce que lui-même il nous a révélé Dieu. Qui a jamais vu Dieu marié une femme? As-tu jamais vu une femme mariée? Et quelle femme il va marier? C'est lui qui a créé tout le monde. Et lui, il est trop saint pour ça. Et où est-ce que tu connais la femme de Jésus? Et puis, comment s'appelle son premier fils? Vous connaissez la femme de Jésus? Mais c'est lui qui est dans
religion chrétienne. Cette personne peut échouer. Mais celui en qui a la vie de Christ n'échoue jamais. Parce que Christ a vraiment échoué. Parce que Christ lui-même n'a jamais échoué. Et celui en qui il a sa vie n'échoue jamais. C'est pourquoi ce matin, comprendre le christianisme. Dans 2 Corinthiens 5:17. Après, fais quoi au terminal? Fais des guerres pour aller. Alléluia. Il va faire une affaire de la guerre pour aller. Tu veux pas toute chose dans ta vie devienne nouvelle? Il va du monde à la fin. Que tous tes péchés soient pardonnés. Et mille nanaya. Donc, il est venu. Halmin nanani, Hamilan Koudoï, la comté, il est soupoyé. Même si tu viens avec un besoin, tu n'es pas venu pour chercher Jésus. Mais là, la voyage, c'est ce qui est mouillé d'abord. Mais tu crois que Jésus peut résoudre tes problèmes? Je te prie d'oublier tes problèmes et de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Parce que non seulement il faut que tu aies fait finir la boulot, mais après, il faut que tu aies fait un peu. Non seulement la résolution de tes besoins est une petite chose pour lui, il peut te changer, te transformer en une nouvelle créature. Christianisme est mouillé. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Bible est pour. La Bible dit. Prenez mon rôle dans le Christ là. Si quelqu'un est en Christ, il s'en va. Que ça, c'est quoi? Il est devenu. Dis à quelqu'un à côté de toi. La marche avec Jésus, c'est de marcher dans une nouveauté de vie. C'est de marcher dans une nouveauté de vie. C'est de marcher dans une nouveauté de vie. Christ ne peut pas demeurer dans l'homme. Qui te trama dans le qui te trama dans le fer royal. Dans le fer royal, il dit que tu ne vas pas marcher dans une nouvelle création avec une nouveauté de vie. Tu sais cela n'est pas possible. Christ ne peut pas demeurer. Qui te tamat dans le fer royal. Tu ne vas pas marcher dans une nouveauté de vie. On est là, tu sera maillé, il y a un an sur la religion de la ou bien un christianisme, il y a un enfant, il y a un enfant, Pierre de bien enfant, tu vois bien. Arrêtez les querelles, devenir humble, la personne qui n'accepte pas de se quereller.
commencement. Ça commence par ça. De changer tes attitudes, ton caractère et de devenir une nouvelle personne. Moi, je te demande. Est-ce que tu es changé, tu es devenu une nouvelle créature? Comment sont les nouvelles créatures? Comment en parle la Bible? Est-ce que tu ressembles à cette nouvelle créature? Tu t'es converti. Oui. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu marches comme marche une nouvelle créature? Est-ce que tu as une mentalité de la Wah? Est-ce que tu as les mentalités de nouvelle créature? Et comment voici comment marche une nouvelle créature? Il ne marche conforme à cela. Leur pensée, ce n'est que ça. Il n'y a aucune pensée qui leur vienne qui va dire le contraire de ce. Leur langage, c'est la parole de Dieu. Être une nouvelle créature. C'est ça le chrétien. Être une nouvelle créature. Le jour où tu vas croire en Jésus. Et tu acceptes. Et sa parole te transforme. Et tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu vient demeurer en toi. Et tu vas marcher en ce moment en nouveauté de vie. Personne ne peut devenir une nouvelle créature. Tant que tu n'es pas encore converti. Tu te convertis. Tu es né de nouveau. Et après, tu reçois l'Esprit de Dieu. Personne ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'es pas né de nouveau aussi. C'est pourquoi, toi qui es là, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vas attaquer Satan pour rien que tu vas chasser les démons, tu te considères comme un chrétien, tu es en danger. Cela ne permet pas que les esprits de Dieu. La seule chose qui permet l'esprit de Dieu de c'est de croire en Jésus et d'accepter sa parole. Premièrement, tu es né de nouveau. Deuxièmement, l'esprit de Dieu viendra de nous. C'est pourquoi je pense que beaucoup d'entre nous nous disons que nous avons la vie de Jésus. Mais beaucoup d'entre nous sont aussi possédés. Je vous demande, est-ce que tu es? C'est ça que le problème et la question.
Les démoniaques disent qu'ils ont la vie de Christ en eux. Les sorciers déclarent qu'ils ont la vie de Christ en eux. Christ a gagné la maya ni mimbe kono. Est-ce que vous pouvez la signer en kawa? La vie de Christ est autre chose qui est en toi. Est-ce qu'ils peuvent vivre, cohabiter ensemble en toi? Quand il n'a pas serré ni le garapo, à ma tombe, Quelqu'un de l'Esprit de Dieu a dit que le pasteur n'est pas converti. On lui a informé de cela, il a dit que oui. Vraiment, il n'est pas converti. Lui, il est rentré dans le christianisme pour ça. Et tu lui as toujours dit. Comment est-ce que tu es converti? Il va maintenant chrétien, nous le connaissons. Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Il fait un ami et reste chrétien, tu es là. Et tu es venu te trouver parmi les chrétiens. Ou bien, il est venu te tenir devant parce que moi, tu dis là. Ou bien, tu es venu te tenir devant parce que les paroles t'ont fait mal. Ou bien, il veut pas oublier que les gens ne l'ont pas oublié quand ils ont été privés tout bien. Ou bien, tu es en train de fuir un problème, tu es venu devant pour te convertir. Ou bien, il est sous camion, c'est pas hier, il est à toi, et il est ma canne, il est à toi. Ou bien, c'est pas un vrai amour pour Jésus, tu es venu devant pour te convertir. Toute personne qui s'est convertie, écoute-moi. Toute personne qui a eu le vrai repentance, cette personne ne peut pas demeurer dans le péché. Parce qu'il veut tout bien, il veut bander. Au moment de ta conversion, tu reçois la nouvelle naissance et l'Esprit de Dieu ne permettra pas au péché de venir encore dans ta vie. Et toute personne qui n'a pas eu la vraie repentance ou a eu une conversion à moitié ne peut pas arrêter le péché. Cette personne ne peut pas marcher dans une nouveauté de vie, même si tu vas prêcher la nouvelle vie. Et la personne ne peut pas. Et pour cacher le péché, nous avons appelé certains des chrétiens charnels. Est-ce que tu n'as pas fait ce Est-ce qu'il y a des chrétiens charnels? Soit il n'a pas parlé, soit il taille. Ni faire ce combat, donne la droite, donne la droite. Ou bien tu es incroyant ou tu ne l'es pas. Si le charnel vient s'ajouter, enlève le mot croyant. Le christianisme est quand t'as maintenant fait croyant là. Et le christianisme, c'est de marcher en nouveauté de vie. On croit qu'il y a un chrétien. Cela veut dire que tu es vraiment un chrétien. Mi bâtiné là au côté. C'est lui là qui veut parler. La Christ a gagné la maya de Nicolas. Mais c'est lui qui en a pris le Christ. Il est fait un volant mieux là au Eni. Tel que la personne était avant. Maintenant, il n'est pas comme ça. C'était un adulteur avant. Maintenant, il ne fait plus cela. Il y a d'autres. Ils disent qu'ils ne vont pas se baptiser. Et parce que quand tu vas te baptiser, tu ne peux pas pécher. Ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont même pas. C'est pas parce qu'ils baptiseront les têtes du monde, mais ils tubiront les têtes du monde. C'est pas parce que si tu es baptisé, tu ne veux plus pécher, mais dès ta conversion, tu n'arrêtes de pécher. Du moins, ils te parlent du monde à tout le monde. Et du moins, tu ne vas pas vivre dans le péché. Mais c'est qu'un bingo, mais il m'en a mis pas, mais il est là, mais il est là, mais il est là, mais il est là. Tu peux tomber et te relever chaque fois que tu tombes, tu te réponds, tu te lèves et tu continues à marcher avec les gens. Il va finir par donner un cadeau. Parce que la semence de Dieu qui est en toi t'empêche le péché. La première chose est voici. Le christianisme, c'est la marche à une nouvelle créature. C'est pourquoi toi qui es là aujourd'hui, Satan a fait ton cœur son temple d'adoration. C'est tout impossible. Ika so vite ce que la bourse qui aurait pour l'histoire, mon roi, mon roi, ça a chitané pour une fois pour la nature et l'église. Et tout ce qui attire ce mauvais esprit dans ton cœur et ces péchés, il faut faire tout pour l'arrêter. Sinon, si tu meurs avec ce péché, ce démon, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Quand tu lis la parole, Lucas chapitre 22, verset 32. Lucas Jésus nous parle de la vraie repentance, de la vraie conversion. Luc chapitre 22, verset 10 à 20. Verset 32.
2, verset 23. Ngale ala délié. Il me sera la français là, ma famille est allée. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras quoi? Jésus est en train de dire ça Pierre. À Pierre. C'est la première que Pierre a chassé les démons. Les Pierre il a fait marcher les paroles. Mais Jésus dit que Pierre n'était pas encore converti. Il a dit Pierre. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, Pierre est en train de marcher avec Jésus. Parce que Pierre, moi, toi, là, comment qu'à aller, elle m'a qu'à mon croix. Parce qu'il n'avait pas permis que la parole de Dieu le transforme, qu'il devienne une nouvelle créature. Pierre, quand chrétien, il a dame dans ton chemin. Quel est le jour où le christianisme de Pierre a commencé? Bible, le mime, le chrétien, Pierre, quand dame dans ton chemin. Ce que la Bible appelle christianisme, quand est-ce que Pierre a commencé son christianisme? Les jours de Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit est descendu. Pierre, son âme. Pierre a accepté. Toi, là, L'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre et venu demeura en lui qui l'a aidé à marcher en nouveauté de Dieu. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature depuis que tu es en Christ? La Bible dit que celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Et fais la différence entre ta vie passée et la vie future. Tout ce que tu faisais avant que tu te convertisses, tu continues à le faire, cela veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Il n'y a aucun changement en toi, tu n'es pas encore en Christ. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est nouveau à présent. Tu as encore le temps d'être délivré de la main de Satan. Pour que tu sois vraiment une nouvelle créature. Ça, c'est le commencement du christianisme. Je parle pas de la religion. Et dans la religion chrétienne. Et tout ce que tu dois faire, tu viens seulement t'arrêter, tu confesses ce que le pasteur dit, après tu es religion chrétienne. Dans la religion chrétienne. Et vous allez faire la prière. Avec ma chine de l'île, la clé. Et vous allez faire la prière. Quand tu vas à la maison, tu pries comme tu fais à la maison. Tu donnes, tu payes les dîmes. Alors que Christ ne fait pas partie. Alors qu'il n'y a pas d'amour en toi. Alors que tu as la méchanceté. Et tu pratiques seulement ta religion qui est différente du christianisme. Qui est différente du vrai christianisme. Le christianisme n'est pas seulement venir danser dans l'église, après je vais à la maison, je me couche, je dors. Mais le christianisme, c'est que Christ Acte chapitre 4, verset 13. Pierre et Jean sont allés se tenir devant les enfants.
ne vont pas renier à Jésus, ils ne vont pas renoncer à Jésus. Et les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que Jésus a fait de Pierre une nouvelle création. Avant, il ne fuyait devant une foule. Et il ne pouvait pas parler de Jésus. Vous voyez la différence? Mon ami, où est-ce que tu es situé? Tu t'es converti? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi? Ça c'est le commencement. Ces choses-là ne peuvent pas s'accomplir. Et chaque jour que Satan prenne le fouet de frappe, toi tu avais de mauvais résultats. Cela veut dire que la venue de Christ n'a rien servi. Christ est venu. Et pour être crucifié. La Bible dit qu'il est crucifié. Il était ses mains au dessus. Et son sang était crucifié. Non seulement on va pisser. Pour que nous soyons crucifiés. Mais de détruire le pouvoir de Satan. Au Christ est allé sans mot là. Cela veut dire que ce que Christ veut que nous devenons, ne se fait pas. Il n'y a aucune autre explication. Est-ce que tu as encore parlé d'interrogation? Est-ce que tu es né de nouveau? Je ne sais pas. Ça, c'est pas possible. Tu es toujours par terre en train de crier. Demain encore, tu viens, l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la comédie alors? Le démon vient, il ne veut pas et il parle, l'Esprit de Dieu vient, après il œuvre, il part aussi. Dis à quelqu'un à côté de toi, la personne qui n'a pas fait de vraie conversion, cette personne ne peut pas être appelée une personne. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir demeurer dans cette personne. Il faut bien te sonder. Comment est-ce que tu es converti? Tout commence par là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'église? C'est pas ça qu'on s'est converti, mais il avait des motifs. C'est pourquoi les mêmes sont allés, les mains. Passer l'église, passer. Et si tu es dans la religion chrétienne, tu peux devenir un pasteur du jour au lendemain. Mais la vie de Christ, c'est pas comme ça. Si tu fais partie de la religion chrétienne, tu peux devenir membre de la Guarane. Mais quoi que tu partes, Satan sait qui tu es. Il sait pas que tu as été là, et tu peux rentrer dans les groupes d'accueil ou d'intercesseurs, tu peux même devenir un responsable de ces groupes, mais Satan sait qui tu es. Mais moi je sais. Les mauvais esprits n'osent même pas rentrer dans cette personne. C'est cette personne qui a le pouvoir de chasser les mauvais esprits quand ils veulent. Mais aujourd'hui, les sorciers sont en train de manger les croyants dans l'église.
dans les rêves, ils sont en train d'être poursuivis par des chats. Comment est-ce que tu peux comprendre ça? Un chat. Un chien, on pouvait comprendre, mais un chat. Pose-toi la question, comment tu es converti? Est-ce que tu es né de nouveau? Ou la place de l'Esprit? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre le christianisme ou tu es en train de vivre la religion chrétienne? C'est à Antioche la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Quand ils ont vu ces disciples, ils ont regardé, ils les ont appelés chrétiens. Cela veut dire des petits Jésus. Ça, c'est la première chose. Le christianisme, c'est de marcher en nouveauté de vie. S'il y a quelqu'un à côté de toi, c'est de marcher en nouveauté de vie. Acte chapitre 21, verset 10. Nous allons lire encore plus bas. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Paul, c'était une personne. Toute sa vie était conduite et dirigée par le Seigneur. Même si tu dois souffrir dans cette vie,
Voici la souffrance du chrétien. Chrétien, Bible de Dieu, voyez, moi, mi kanina maya ben nyembere de Yesu fe. Le vrai chrétien, tu es quelqu'un dont la vie est dirigée par Jésus. Jésus a la tête comme nyina maya ina ikata toro yo do fanana pour que noro kada toka. Nyembere de Dieu fe, il veut ta toro yo la pour que noro kada Yesu toka. Et si Jésus résolue aussi de te conduire quelque part pour que tu souffres là-bas et que son nom soit glorifié, tu vas le souffrir dans cette souffrance. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui conduisons nos vies. Non seulement quand on fait croire la et non seulement nous marchons, il manque que nous marchons dans la nouveauté de vie. Hein? Mais nous sommes en train de conduire, de diriger nos vies. Et nous sommes en train de tracer nos propres plans et nous sommes en train de marcher par nos plans. On dit qu'il est prêt à rentrer même dans la mort pour nous. Parce que Jésus n'y a pas de pour qu'on Jérusalem. Et parce que Jésus avait résolu que Paul passe par ses épreuves pour aller se tenir devant les rois et annoncer son nom, et il a livré toute sa vie. C'est pourquoi, mes amis, il ne faut pas voir les gens souffrir et les prier pour que ces gens ne soient pas. Mais chacun a ses œuvres. Dans ta vie, si tu dis que tu vas partir, tu veux vivre le vrai christianisme. Si tu dis que tu vas partir, tu veux vivre le vrai christianisme. Ça, c'est de livrer complètement toute ta vie à Jésus. Que le Seigneur Jésus prenne ta vie et en fait ce qu'il veut pour que son nom soit glorifié. On est christianisme. C'est ça le vrai christianisme. Après la nouvelle naissance, c'est d'abandonner, de céder, de livrer complètement toute ta vie au Seigneur. Rien n'est non. Le Seigneur lui a dit, va annoncer la bonne nouvelle à cet homme. Il va se convertir. L'homme s'est levé. Il allait annoncer la bonne nouvelle. Comme lui, il a résolu de céder toute sa vie à Jésus. Il est parti. Et la première fois, il allait annoncer la bonne nouvelle à l'homme. L'homme lui a dit, je ne vais pas croire en Jésus, quitte ici. Deuxième fois. Et c'est là que le Seigneur, l'homme a refusé. Le Seigneur vient encore. Va, c'est moi qui te demande de l'évangéliser, il va se convertir. Deuxième fois, Atara. Il est parti. Il a prêché à ta femme. Et que tu crois en Jésus. L'homme lui répondit, si tu reviens ici encore, je vais te tuer. Moi, je vois ta tête et ma tête quand il va prononcer ces paroles. Nous allons prendre la décision. Nous allons partir là-bas que cet esprit-là ne vient pas du Seigneur. Cet âme-là n'appartient pas à Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième fois, il allait prêcher à l'homme. Comment l'homme lui a dit vraiment, il l'a tué. Il l'a tué. Et pourtant, le Seigneur lui a dit de l'évangéliser qu'il va se convertir. Et pendant l'enterrement de cet homme, c'est lui-là qui est venu prêcher. C'est par ce message-là que le criminel s'est converti. Mais est-ce que ça s'est passé en présence de l'évangéliste? Si l'homme la savait qu'il devait mourir, et à cause de son mort, que l'homme va se convertir, est-ce qu'il allait accepter d'aller évangéliser? De livrer complètement toute ta vie au Seigneur. Acte chapitre 27, verset 20 au verset 21. Acte chapitre 27, verset 20 au verset 21. Vous savez, les verset 20 au verset 21. Clément d'Ogara, Clément Bord de l'Ofana Mabo. Fiez à la Corotira, parce que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu. Je vous demande. Parce que
Verset 3. Verset 3. Jusqu'au verset 4.
chez nous, en pharisaïquement de ta main, si nous marchons dans la chair, Sache aujourd'hui, ce n'est même pas ton prochain, mais sa femme. Sa femme. Adam, sache que la Bible dit le chrétien qui fait partie de la vie, mais qui est nouvelle créature, ses armes de combat, ce n'est pas des coups de poing, ce n'est pas des fusils, ce n'est pas de crier de la bouche, ce n'est pas des insultes. La personne qui est née de nouveau ne combat pas ici. Quelles sont ses armes? La date chapitre 5, verset L'amour. Satan vient, il
les font souffrir. Et sauf le jour où ils vont se rendre compte qu'ils t'apportent. Mais ceux qui sont pire, c'est vraiment, ils ne sont pas convertis. Ils sont pas nés à l'eau. Et l'Esprit de Dieu ne demeure pas en eux. Ils n'appartiennent pas encore. Ils n'ont pas commencé à marcher à nouveauté. Et les gens qui ont été en train de se faire, ils n'ont pas été bishop ou archibishop. Bishop, archibishop, ou titre doyen, mais réservé à la barre de l'homme. Et leur statut dans l'église, ils sont des bishops, des archibishops, c'est des grands titres des chefs religieux. Quand ils trient l'église, ils vont leur dire, tiens, ils ne font pas ça, ils vont tout faire. Leur titre, c'est comme ça, l'église, mais ils ne sont pas corporels. Chrétien, là, qu'elle termine, il y a une chouette. L'arme du chrétien, c'est quoi? Camilla. L'amour. C'est lui qui fait partie de la religion, je ne parle pas de ça. Chrétien, chrétien, bon. C'est ça qui est la différence entre une personne religieuse et le vrai chrétien. Mais Christ a fait une amie de mon homme pour lui, une amie pas de l'égard à ma caméra, une amie pipa, il a fait pour lui. Il sait laquelle tu dis. Ah voilà. Une personne de religion est vraiment, il y a un conflit entre vous de prendre des bâtons, venir casser ta porte, détruire ta maison. Mais celui-là qui est en Christ, il ne pourra jamais faire ça, il agit en amour. Il y avait une femme. Elle est toujours là. Il est converti. Elle est née de nouveau. Elle a l'esprit de Dieu. Elle a fait son âme l'amour. Elle quitte l'église. Elle vient à la maison. Son mari lui dit. Aujourd'hui, tu as duré à l'église. Va la frapper. Et dans le pays où c'est fait, il neigeait. Et il jette la femme dehors en plein neige. La femme passe la nuit dans le matin. Le matin, il ouvre la porte de la femme rentre. La femme rentre avec une sourire et des yeux. Elle rit et elle rentre. Elle a des rapports de son mari. Elle a dit, mon mari, je t'aime. À Toro de Latine. Et ils ont demeuré. Jusqu'à ce que l'homme est devenu un pasteur. Il y a un peu d'énergie là, il dit tout le monde est là, il va se repérer une grande vie pour nous. Et tu l'as jeté dans la neige, le matin tu ouvres la porte, il va te donner un grand coup de bâton sur la tête. Ouais, à ton avis, on t'a parlé de la fin de ta tête, que j'ai un mal de ta tête. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la prochaine fois de venir et ressembler à un chrétien. Voici un mot, on reconnaît une nouvelle créature, pas parce que tu as une grosse Bible ou des grosses lunettes, mais tu combats avec l'amour. Regardez Jésus. Il est venu dans le monde avec l'amour. Il est né dans la création.
amour. On l'a insulté. Il est parti avec lui. On l'a frappé. Il a marché avec lui. On a craché sur lui. Il a marché avec lui. Jusqu'à arriver à la Vous êtes en train de négliger cette histoire de conversion, mais pose-toi la question, si ta conversion est complétée et parfaite, le mauvais esprit ne peut plus s'approcher de toi. Et si tu es né de nouveau, toi tu ne peux rien faire, tu vas marcher dans la nouveauté de vie. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une histoire de violence, mais c'est une question d'amour. Dis à quelqu'un à côté de toi. Et l'arme de combat du chrétien, c'est l'amour. L'amour. Et toutes l'humilité, la fidélité, la joie, tout ce qu'on dit, la patience, le repère s'appelle l'amour. Partout où il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a la patience, il y a la fidélité, il y a la paix, il y a le repos. Partout où il y a l'amour, il y a ces choses-là. Avec quoi vous vous combattez? Par le WhatsApp. Regarde dans le miroir. Si tu n'as pas une corde qui a poussé. Avec quoi nous combattons? Facebook. Et sur le Facebook. Hein? Comment est-ce que nous combattons? Donc vous verrez quand il y a mal à l'écart, tout pas là, tout pas quand on voit quand il y a mal à l'écart, ne fait pas de toi un chrétien. Il y a certains qui regardent leur vie parce qu'ils ont des bénédictions dans leur vie. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Il y a beaucoup qui vont se tenir à la porte du paradis avec leur bénédiction, ils ne vont pas avoir le paradis. Être appartenu à Christ, vivre le christianisme. Et la troisième étape, premièrement, c'est de marcher à nouveauté de Dieu. C'est de marcher dans la domination et dans le pouvoir. C'est de marcher dans la domination et dans le pouvoir. Toute personne qui est née par Jésus règne avec la domination. Ça, si tu ne te parles pas. Sinon, le jour où tu es né dans la maison de Jésus, tu marches dans l'autorité. Tu marches dans la puissance. Jean chapitre 1, verset 1.
que ka tama sebaya la unye ka ke pour et apostre pour que ka tama sebaya la ni pamela Yusuf il met tama sebaya la chitana na ka faire ombe. Si tu es né par Jésus, tu vas marcher avec autorité et puissance sur tous les plans de Satan. Je te demande. Chaque maladie que tu prends, chaque santé. Tu vas voir que plus de la moitié vient de Satan. Quand tu prends les problèmes dans le monde, tu vas trouver que la plupart de ces problèmes viennent de Satan. Quand tu prends les angoisses dans le monde, tu vas trouver que la plupart viennent de Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle là? La personne qui est née. Qui est en train de vivre le christianisme, a l'autorité sur Satan, a le pouvoir de marcher sur Satan, a de marcher sur ses puissances. On a dit dans la démonstration que sinon, on met dans la balle et dans la boule ici ça. Mite passerie, on est mini passerie à Tchakata, mine bagina pour la tube, ni à la ni bagana, ni mena, ni pour la gina, ni bagina, 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 ni pour reprendre un simple croyant qui est né de nouveau, il va faire chasser les mauvais. Jean chapitre 1. Au Père Adam, nous kada, kada et la République. Ah? Quand il est bien dans la journée, déjeuner et 40 jours, quand soit ma. Le recevoir et croire en lui. Tout le problème, c'est de recevoir Jésus et de croire en Jésus. Parce que les gens reçoivent Jésus. Mais croire en son nom, c'est là où beaucoup échouent. Croire en lui, cela veut dire quoi? Et d'accepter sa parole pour te transformer. La Bible dit que la foi est morte sans les œuvres. Et que la foi vient en lui. Et croire, c'est écouter sa parole. Et ta parole, sa parole, tu deviens une nouvelle. Quand tu es nouvelle, l'Esprit de Dieu vient de toi. C'est ce jour-là que tu es né dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison du Seigneur, mais ils ne sont pas encore nés. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, ils ne sont pas encore nés dans le Seigneur. C'est très important. Comment le pasteur a dit l'autre jour, la nationalité est très importante. Les personnes dont je parlais n'étaient pas encore nés dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi il était toujours sous le péché. Et comment le démon voulait se moquer de lui. Si ce n'était pas la miséricorde du Seigneur, il allait mourir. Si ce n'est pas la prière, il allait mourir. Parce qu'il n'est pas né dans la maison du Seigneur. Ceux qui n'ont reçu un cri à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? De marcher comme Jésus. De marcher dans le pouvoir de Jésus. Et le christianisme, c'est de marcher dans l'autorité, dans la domination. Et toi qui ignorais, sache aujourd'hui que le christianisme, c'est de marcher dans l'autorité et dans la domination. Toi tu es chrétien, tu as la puissance, tu as l'autorité. Partout où tu vas te détruire, et partout où tu iras te détruire le pouvoir. Et par n'importe quelle famille que tu vas rentrer dedans qui était liée, tu as le pouvoir de délier cette famille. De marcher dans la domination. Satan ne peut plus s'arrêter devant toi et tes frères. Et l'autorité que tu as commence à l'exercer sur Satan. Parce que si tu es un nouvelle chrétien, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Et tu as l'autorité de m'empêcher de venir amener le désordre dans ta
sala. La Bible dit que celui qui a cru son âme à la fangani se doloma kugala. Ceux qui l'ont reçu, ils ont pris en son nom, ils leur ont donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La force du féticheur ne peut rien. La puissance et le pouvoir de Dieu. Le pouvoir et la puissance des méchants ne peuvent rien te faire si tu es né dans la maison du Seigneur. Acte 19, verset 15. Nous avons presque fini, nous allons terminer bientôt. Voilà, et il sait que il a besoin de la main pour que Marie la tu veux te préparer pour aller manger le riz au rein à la cérémonie de mariage que tu vas participer. Acte 19, verset 15. N'a pas il écrit, hein? L'esprit maintenant a répondu. Mais pas le fond. Et celui qui vit dans le christianisme. Premièrement, Paul. Il s'est vraiment converti. Il a eu une vraie repentance. Il est né de nouveau. Alors, a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il a toute autorité comme tous les chrétiens pour chasser les démons. Paul a chassé les démons. Mais ceci, c'était des juifs. Ils étaient dans la religion. La religion de Moïse. Il a pratiqué très bien cette religion. Et la pratique de la religion de Moïse ne donne pas de pouvoir et d'autorité à quelqu'un sur Satan. C'est pourquoi ils ont mené des démons. Et ils se sont enfermés avec les démons. Ils ont dit au nom de Jésus. Et ils pensent que c'est comme ça quand même. Les démons leur disent. Attendez un peu. Est-ce que ceci les sont là? Est-ce que moi on connaît Jésus? Jésus est le roi de ce monde. Nous connaissons Paul. Paul est né dans le royaume de Jésus. Mais vous qui êtes-vous? Quel privilège! Kataye soula kabangeye soula. Fama bimolo chine ou kam. Fama bimolo circonstance hyper grande. L'autorité sur toutes les circonstances dans ce monde. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous savons que nous avons le pouvoir? Et sur toutes les perturbations de ce monde vient de Satan. Nous avons la domination sur lui. Comment notre vie peut être? Comment est-ce que nos familles vont se battre? Comment est-ce que nos travail va se mélanger? Ou bien nous ignorons que nous avions le pouvoir. Voici le christianisme. Marcher en nouveauté de vie. Celui que Jésus appelle les chrétiens, c'est celui-là qui a commencé à marcher dans la nouveauté. Celui-là qui marche encore dans son ancienne vie, il est en cours, il n'est pas encore devenu vraiment pour Christ. Il est en cours. Je ne dis pas celui qui pêche. Parce qu'il se la bangé pour croire la cajoune qu'elle tourne, mais elle est bonne de ses cacailles et t'as tes mots à l'hôpital, ma belle. Tu
Tu peux être né de nouveau et pécher, mais ce ne serait pas ta nourriture, ta vie normale, habituelle, non. Ce n'est pas ta vie. Ça ne peut pas être ta vie normale. Tu vas tomber, tu te relèves. Tu vas tomber, tu te relèves. Et c'est même à tomber, c'est que quand tu viens juste de te relèver. Mais tu vas tomber sans faire. Mais plus tu avances, tu peux te tromper. Mais tu ne fais pas exprès. Wani tuku kake fanase ke ibalo ini tuku kake ya dawa kama kake de suno ate na foitado. Et si tu l'as fait exprès, c'est que tu l'as fait vraiment exprès, c'est pas parce que tu ne le savais pas. Oh, ali parka boera ni na ni kurumuke ote foitado ne oye tuku kake de akati. Même si tu grandis spirituellement, tu l'as fait exprès, c'est que tu aimes mal le péché que tu as fait. Oh, tobe ini matki yereje. Le reste se trouve entre toi et le Seigneur. Tu as reçu des dons, tu as continué à servir le Seigneur, mais tu as fait exprès, tu as péché. Ce jugement se trouve entre toi, le Seigneur. Qui est sincèrement réel converti, qui a eu une vraie repentance, qui a vécu la vraie repentance, la vraie conversion. Combien de personnes? La vraie repentance ne peut jamais aller sans verser des larmes. La vraie repentance, la vraie conversion, c'est que tu te sens sale, souillé, tu te sens indigne de vivre, tu viens en larmes devant le Seigneur pour qu'il te lave, pour qu'il te restaure. En ce moment, tu es né de nouveau. Toi, tu vis dans le péché, tu prends plaisir dans ce péché. Tu peux être en cours de la conversion, mais tu n'es pas encore converti, comme le Seigneur a dit à Pierre. Quand tu seras converti, tu vas aller affermir à tes frères. Et nous sommes restés avec ce pasteur-là, nous ne savions pas qu'il n'était pas converti, sauf le jour où le Seigneur nous a révélé. Et en ce qui te concerne, toi, est-ce que tu es converti? Si après toutes ces paroles, ton cœur est en train de t'accuser, ton cœur est en train de te témoigner. Et l'esprit qui est en train de conduire cette personne-là, Comment est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Sans aucun doute, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, le démon ne peut pas rentrer en toi. Le démon ne peut pas rentrer. C'est pourquoi je vous en supplie. Vous qui tombez tout le temps à cause des démons. Quand on dit mon esprit, quand on dit le Saint-Esprit, vous êtes en je vous en supplie. Il faut réconcilier votre vie avec Dieu. Mais réconciliez-vous avec le Seigneur. Cherchez la miséricorde du Seigneur. Do aula a donar de um mundo e eu vi a beca do que eu olhei me ver não que eu olhei me era lá
bolila i ka bange ko kura sisan ala ni gana i kɔnɔ n'o tɛ ni sara ka sɔrɔ i bɛ ka bin jinɛ bolo sɛbɛ la i tɛ se ka kisi hali ni bɛ egilizi kɔnɔ kuma bɛɛ kisi co ni sara ka jinɛ to i la ni bɔra dugukolo kan ka sitanɛ ne to i la i tɛ kisi. L'esprit qui vient tout le temps en vous et que vous tombez par cet esprit-là, si tu continues à vivre avec cet esprit, le jour de ta mort, tu n'auras pas de salut. L'homme va au paradis avec le Saint-Esprit seul. S'il y a un autre esprit, il n'y a pas un autre moyen de salut. C'est pourquoi aujourd'hui, voici le processus. Seigneur, ouvre ton cœur à la parole du Seigneur et sa parole amène la transformation dans ton cœur. On appelle ça la nouvelle naissance. C'est la parole de Dieu qui est née de nouveau une personne. Après la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est la venue du Saint-Esprit pour venir demeurer en l'homme. Ces deux choses marchent ensemble. Après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi. Vous qui vous êtes élu de Dieu. Et vous êtes sûr que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Asseyez-vous, il ne s'agit pas de mélange. Parce que et quelqu'un peut se convertir et devenir un chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi, le péché peut te vaincre. L'Esprit de Dieu peut venir demeurer en l'homme, tu peux tomber dans le péché. Mais ce n'est pas ta nourriture, tes habitudes. Quand tu tombes dans le péché, tu te répands et tu te lèves. Si tu es converti, tu appartiens au Seigneur. Et ce qui te reste, c'est de demander de l'aide avec le Saint-Esprit qu'il t'aide à marcher dans la nouveauté de vie. Il s'agit de personnes qui ne sont pas vraiment converties. Moi, je ne peux pas le savoir, mais entre toi et le Seigneur, tu sais si tu es converti. Entre toi et le Seigneur, tu peux le savoir si tu es né de nouveau ou non. Par cet enseignement, tu peux savoir si tu fais partie des gens qui sont nés de nouveau ou non. Vous qui étiez dans des coutumes et traditions, si tu continues dans le fétichisme, tu n'es pas né de nouveau. Tu fais la divination avec les coris, tu vas faire la géomancie, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas laissé les coutumes et traditions du village, le fétichisme, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu la transformation et le caractère que tu as quitté le monde, tu es en train de vivre avec dans l'église, tu n'es pas né de nouveau. Le caractère que tu as quitté avec dans le monde, tu continues à vivre dans cela dans l'église, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau encore. Si ce n'est pas de cet esprit, personne ne peut être sauvé. Venez devant. C'est très simple. C'est pas une prière d'homme à toi. Il y avait une confession de l'homme. Et puis, on va faire que. Aïe, dans les formes, nous l'avons. Vous qui vous êtes élevé debout, je ne dis pas que quelqu'un d'autre s'ajoute, je dis ceux qui sont restés debout. La transformation que il a dit la main la vie il a dans les derniers là mais il a comme quoi il a eu il a la fière sur les gagnants la main. Le Seigneur va mener des transformations dans ta vie, tu vas être né de nouveau comme un bébé, mais tu verras le grand changement qui viendra dans ta vie. Je serai très étonné. Il veut comme quoi il
Tu seras surpris. Vraiment, est-ce que vous voulez être né de nouveau? Et recevoir la nouvelle naissance du Seigneur et que l'Esprit vienne demeurer en vous. Après marcher dans une nouveauté de vie. Et que toute ta vie soit conduite par Jésus. Et marcher dans la puissance. Personne ne peut marcher dans la puissance si tu n'es pas né de nouveau. Je répète. Personne ne peut pas marcher dans la puissance et sur cette sur la maladie tant que tu n'es pas né. Et si tu n'es pas né, si tu fais exprès, tu te tournes vers le mauvais, tu vas te tourner vers Panama et vers Satan. C'est moi qui te dis que Dieu te préserve et les mauvais esprits vont rentrer en toi et la maladie ne va rentrer en toi. Tu n'as aucune autorité sur Satan. Tant qu'il m'a pas de concours, ni selon la zigue, il y a un foyer de foutre, il y a un foyer de boulot chez Taneta. Tant que tu n'es pas né de nouveau, que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi, tu n'as aucune autorisation ou autorité sur Satan. Alléluia. Alléluia. Bien. Avec tout votre cœur. Et le Seigneur va mener une transformation dans votre vie. Je ne sais pas comment beaucoup d'entre vous vous êtes convertis. Mais le Seigneur va mener une transformation. Posez maintenant vos mains sur votre cœur. Le Seigneur dit que quiconque vient en lui, il ne le jetera jamais dehors. Répétez, dites Seigneur Jésus. Oui, ce matin. Ce matin. Je viens à toi. Je vais chercher ton aide. Que tu m'aides. Pour être né de nouveau. Que tu me donnes un cheval. Qui sera complètement libéré à toi. Et chaque jour transformé par ta parole. Que ton esprit vienne demeurer dans ce cœur. Seigneur Dieu. Aide-moi à recevoir la nouvelle naissance aujourd'hui. Aide-moi. Pour avoir une vie repentance aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne complètement ta faire de toi ce qui sera. Et mon Seigneur. Jésus. Et son conducteur. Jésus n'accepte pas que Satan se moque de moi. Délivre-moi. Il ne pas de et fais-moi rentrer dans ton royaume ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie que tu es venu dans ma vie pour changer les anciennes choses en moi. Amen. Amen. Le jour de Pentecôte, la Bible dit que le feu est descendu sur les disciples. Le feu est descendu pour préparer le lieu. Et quand le lieu était préparé dans le cœur des disciples, et ils sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu après. Comme la Bible pour les bouts de que des flammes de feu se sont posées sur chaque tête. Au coffre. Après. C'est la flamme de feu qui est venue les préparer et les pour la place pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a prévu de demeurer en eux. C'est pourquoi. Oh non, c'est vous qui êtes assis dans l'assemblée, vous êtes nés de nouveau. Tendez les mains vers ces personnes. Et priez pour eux.
si tu es possédé, il ne faut pas t'en de mettre ici. Il est bien ici que les mains, il est quand il veut faire tonaille, mais il n'est quand même pas quelqu'un de pro de mon loup ou colonie chez nous. Tu restes ainsi, tu aimes ce démon, là moi je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Car Allah est loué ici. Et briller pour ces personnes. Parce que tu es au camp. Parce qu'il y a une flamme qui va descendre sur eux. Sur leur tête. Quand il y aura la paix, oui. Pour préparer la place. Pour préparer la place pour l'Esprit de Dieu. Et cette flamme va emporter les démons de leur vie. Et cette flamme-là va emporter les mauvais esprits des démons. Et les démons vont sortir de leur vie. Amen. J'aimerais le feu. Être mis à la place des mauvais esprits dans la vie de ceux. J'aimerais le feu. Pour préparer une place dans le cœur de ces personnes. Tout de suite même. Recevez le feu. Placer dans la paix, si ça a une seconde dans ma vie. Pour que la place soit préparée dans mon cœur pour le Seigneur. Tel qu'il est descendu sur les disciples le jour de Pentecôte. Aïe, sur recevez dans vos corps, dans votre cœur, pour préparer la place pour la paix. Il est de meurtre. Recevez ses frères maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez ce feu. Passez dans la boule là, vous pouvez prendre les mains. Aïe, t'as souvent sur le 600 t'as souvent la gueule là, mais au bout de ce boule là. Pas t'as souvent, aïe, t'as souvent sur le bout de ce boule là. Recevez ce feu de vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nice.
Avoir reçu et croire au nom de Jésus.
Ça, c'est des choses que tu dois continuer à y réfléchir, méditer. Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que je suis né nouveau? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Si tout cela, c'est oui. Est-ce que je suis en train de marcher à nouveau de vie? Et si tu as reçu tout cela, tu n'es pas en train de marcher à nouveau de vie, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé le christianisme. Est-ce que tu es en train de marcher dans la nouveauté de Dieu? Est-ce que toute ta vie est dirigée, conduite par le Saint-Esprit? Par la conduite du Saint-Esprit, marcher avec l'arme de combat de la nouvelle création et de marcher dans la domination et l'autorité comme un vrai chrétien. Point d'interrogation. C'est pourquoi ceux qui veulent marcher dans une nouveauté de vie, ils sont nombreux, que ces personnes se lèvent, se tiennent debout, nous allons prier ensemble. Marcher en nouveauté de vie. Oui, ça, c'est le commencement même du christianisme. Dis au Saint-Esprit qu'il t'aide à marcher dans la nouveauté de vie. Dans ta famille. Dans ton quartier, dans ton pays. Saint-Esprit, aide-moi à marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Parce que ni ma dame la dame d'enfer croyala, il m'a christianisme d'amène. Si tu n'as pas commencé à marcher en nouveauté de vie, en nouvelle création, tu n'as pas encore commencé le christianisme. Tu es en cours, mais tu n'as pas encore commencé. C'est celui qui a été formé, transformé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Sois une nouvelle créature. Tu dois être une personne qui doit marcher en nouveauté de vie. Parce que Christ a voulu de l'enfer, il t'a fait enfer. Parce que c'est ce que Christ veut te concernant. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Prier pour se posséder ces démoniaques. Et nous allons ensemble prier pour ces malades. Vous avez du travail, vous qui êtes liés. Et que votre prière ne s'arrête pas seulement à l'église. À la maison, cherchez la miséricorde du Seigneur. Et le démon qui est en toi, il ne partira jamais tant que tu ne laisses pas le caractère que tu avais. Tu ne peux pas te faire de la vie.
Et toi, tu ne peux jamais dire à un homme non, les démons sont rentrés par cette porte, cette faiblesse envers les hommes et les démons ne vont pas partir. Je te prie, ne gâche pas ta vie. Je te prie, ne gâche pas ta vie. Ose nommer là où tu as mal dans ton corps. Ceux qui sont malades, qu'ils posent la main là où ils ont mal dans le corps. Nous allons prier pour ces malades. Que le Seigneur leur donne la santé et la guérison. Et nous allons prier pour les hommes et les femmes. S'il y a des liens qui le lient, que ces liens soient brisés. Et les pasteurs vont faire cette prière ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois à la barcama ami Foka c'est maya ou bête barca eka kalam Mais je suis pas là.
Yes,
Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et que toutes les autres choses vont suivre. Étendez-vous et que vous parlez de vos besoins au Seigneur. Ce Dieu-là que je sers, selon l'autorité qu'il m'a donnée, que cela vous soit accompli selon votre foi. Vous vous êtes levé selon vous avez prié et demandé au Seigneur. Il commence à l'accomplir pour vous cette semaine même au nom de Jésus. Il commence à l'accomplir pour vous dans ce mois-ci. Que cette année ne finisse pas avant que vous voyez l'accomplissement. Accomplissement au nom de Jésus. Avec une vraie foi, asseyez-vous parce que vous l'avez déjà reçu. Voici ce que le Seigneur m'a confié ce matin pour partager avec vous. Le vrai christianisme, c'est ce que le Seigneur nous a dit, c'est pratiquer le christianisme et ne pas vivre la religion chrétienne.